Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage de BPPGI 4.0. Alors, nous allons aborder le transfert d'un bon de réception fournisseur en facture fournisseur, puis le transfert de cette facture en comptabilité. Alors, voyons déjà comment transférer le bon de réception en facture. Pour cela, il faut aller rechercher ce bon de réception. Donc, trois possibilités, soit dans l'espace navigation, aller dans bon de réception, soit dans le menu aller dans achat, achat, bon de réception, soit de cliquer directement dans l'écran de démarrage sur document d'achat. Notre bon de réception est ici, je vais l'ouvrir. Pour le transférer, vous voyez que il suffit d'aller cliquer sur transférer. Le logiciel me propose la date de transfert, donc là je vais mettre la date du 23-01-2012, c'était la date de la réception, et bien entendu, je transfère le document en facture. Donc, je lance ce transfert. Voilà. Le document a été généré. Donc, il me reste à fermer. Il me propose de voir ce document. Donc, ici, je regarde, c'est toujours les mêmes éléments, donc je peux fermer. Alors, l'intérêt maintenant, c'est que dans mes documents d'achat, j'ai trois documents. J'ai la commande, le bon de réception et maintenant, j'ai ma facture. Alors, comment imprimer cette facture? Là aussi, je vais revenir à l'écran de départ et je vais aller dans Achat, Impression, Documents d'achat et Facture. Je sélectionne plusieurs possibilités pour sélectionner ma facture à imprimer, soit par date, soit par numéro, soit par fournisseur. Bon, là, je vais prendre par numéro de facture et je vais cliquer sur Aperçu. L'aperçu va me permettre de vérifier que cette facture est bien identique à mes autres documents. Alors, on voit bien la facture, on voit la date de cette facture. On voit que c'est une lettre de change à 30 jours et là, bien entendu, l'échéance est bien 30 jours après. Et puis, le montant de ma facture, sans problème. Donc là, je peux fermer. J'en ai terminé avec la création de cette facture. Maintenant, voyons comment transférer cette facture en comptabilité. Alors, pour cela, il va falloir déjà valider cette facture. Donc, même chose, je retourne dans Documents d'achat. Je vais sélectionner en cliquant deux fois sur la facture. Voilà. Alors, la validation, donc je vérifie la date quand même, 23 janvier, donc c'est la bonne date. Le reste, ça ne pose pas de problème. La validation va me permettre de rendre cette facture immodifiable. Donc, je clique sur valider, je confirme. On vous dit, vous voyez, cette opération est irréversible. Donc, je fais une validation complète. Alors, bien entendu, là, l'ordinateur va enregistrer l'ensemble des données de cette facture. C'est la première étape. Alors, c'est toujours un petit peu long. Voilà, donc là je vais pouvoir fermer et à partir de là je vais aller dans la barre de menu ici, dans outils, dans opérations, excusez-moi, transfert en comptabilité. Alors faites attention, bien avoir en tête la date de la facture. Donc je clique sur suivant, puisque vous voyez ici il me demande la période à transférer et je ne vais transférer que le 23 janvier 2012, tout simplement pour ne pas avoir d'autres informations qui seraient transférées. Alors, quelles sont les données que je veux transférer? Comme c'est une facture d'achat, je vais retirer ce qui est vente, règlement aussi, mise à jour des échéances, je vais le retirer, et je vais garder les stocks, puisqu'il y a des articles qui sont entrés en stock. Je clique sur suivant, c'est bien ma facture 1 biscuiterie, de 495 € qui va être transféré. Donc je clique sur suivant, c'est un transfert d'échange direct,
Et il m'indique, hein, en résumé, que c'est bien cette facture. Je n'ai plus qu'à lancer. Le transfert, une écriture a été envoyée. Je ferme. Alors maintenant, il faut aller vérifier dans le module comptabilité si l'écriture a bien été enregistrée. Donc, je reviens sur l'écran de démarrage et vous voyez ici, il y a l'onglet comptabilité. Je vais ouvrir cet onglet comptabilité. Ce qui veut dire que le logiciel, voilà, m'ouvre le module comptabilité. Et il me restera simplement à aller vérifier, hein, dans le journal d'achat que l'écriture a bien été passée. Et bien sûr, la vérifier cette écriture. Alors là aussi, hein, voilà, me voilà dans le module. Donc je vais aller dans saisie mois courant. C'est bien journal d'achat, mais ici je vais aller dans tous les mois. Et je vais remonter jusqu'à mon mois de janvier. Il est où? Il est ici, vous voyez, mon mois de janvier. Vous voyez, là j'ai bien achat. Donc j'ouvre. J'ai mon écriture d'achat, je la vérifie. Au crédit fournisseur, au débit mes comptes d'achat. Si je veux vérifier, hein, le bon compte, bah, vous voyez, on voit bien qu'en cliquant, hein, sur le menu déroulant, j'ai bien achat de biscuits. Donc mon écriture s'est correctement passée. Hein, donc je peux fermer. Alors voyons comment imprimer le journal pour vérifier cette écriture. Donc il suffit d'aller dans quotidien, impression, état comptable, journal. Voilà. À partir de là, on va indiquer quel journal nous voulons imprimer. Donc, le journal d'achat jusqu'au journal d'achat. Au niveau de la date, on va sélectionner uniquement la date du 23/01/2012 pour éviter d'avoir d'autres éléments qui viennent nous perturber. Les écritures validées, etc., ça on va laisser et je clique sur aperçu. Voilà, notre écriture, alors c'est un journal non définitif, hein, puisqu'on n'a pas encore procédé aux clôtures comptables, mais on retrouve bien notre écriture dans le bon sens. À partir de là, on peut fermer. Alors, je reviens sur le module gestion commerciale, et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.